cas du scénario, et on va pouvoir s'attaquer à cette fameuse reprise du château d'Hyrule. Vous voyez qu'en au niveau conseiller, on peut voir vraiment le ce qu'il y a, hein, 54. Donc on va, comme d'habitude, utiliser Link en premier pour parce que c'est la première fois qu'on le découvre, et donc j'aimerais bien utiliser Link. On va utiliser Zelda en secours en 2 secondes. On va utiliser Pinepa, on va utiliser le roi d'Hyrule en 3e. Et on va utiliser en 4e, on va peut-être utiliser Impa. Voilà, on va peut-être utiliser Impa. Et comme ça, au moins, ça nous fait un bon Rockster. Et donc, du coup, les amis, on a un bon, on a vraiment des très bons personnages avec nous. Et on va pouvoir, du coup, partir au combat, sachant qu'avant de commencer, ici, en termes de nombre de Korogu, il y en a 6 précisément. Voilà, il y en a 6. Donc, d'après ce qui est inscrit sur le site. Et donc, du coup, les amis, c'est parti. On va voir un petit peu ce que cela donne. Et du coup, je vous laisse la magnifique cinématique que je ne connais pas, évidemment, parce que je ne me suis pas spoil le jeu. Je vais juste augmenter le son de chez moi parce que j'aimerais bien suivre avec vous. Il n'y a rien à craindre. Ensemble, nous ne pouvons qu'être victorieux. C'est l'heure du rassemblement. Attention, Covid. Non, Ah, Proa. Oui, Steady. Je savais pas qu'elle allait dire ça, mais à chaque fois, elle dit Wistiti, donc pour moi, c'est mon personnage honnêtement, Midona et Proa, c'est dans mes top 3. C'est d'abord Midona, ma préférée, et Proa, ma seconde préférée. Honnêtement, de tout Zelda, tout personnage Zelda, même Link, au cas où, qui n'est pas inclus dans mon top 3. Dans mon top 3, pardon, pour vous dire. Ah, les créatures divines. Et oui. Ah oui, façon... Ah oui, le château d'Hyrule. Maintenant que nous sommes réunis, il ne nous reste plus qu'à anéantir Ganon. Nous allons enfin pouvoir faire la démonstration de toutes les temps. Putain, si on peut contrôler toutes les créatures divines, ça serait parfait. Grand rival. Allez les petits jeunes. La gang des Higas. On va leur en faire voir de toutes les couleurs. Pas vrai, Yonobo. Bah oui. Ah, Rijou et Urbosa, tout le monde est réuni, tout le monde est là pour affronter Ganon. Tout le monde est réuni. Et Ron Bosphoramus, qui est avec nous également. Heureusement qu'il est avec nous d'ailleurs. Et les gardiens d'Hyrule, on va pouvoir partir en guerre. Ouais. Ouais, je m'y crois vraiment. Il y a tout. Oh, il y a tous les gangs. Enfin, vraiment, je ne peux pas appeler ça des gangs, mais... Il y a toutes les armées. Elle a beaucoup de motivation, Zelda. C'est ça que j'aime bien. On va réussir. On va pouvoir partir en guerre face à la reprise du château d'Hyrule. Let's go! Allez, c'est la guerre! Les Aura, les Goro, les Piaf, les Gerudo et le gang des Yiga se joignirent aux soldats d'Hyrule qui combattaient encore à travers le royaume. Tous les peuples en état de combattre s'étaient rassemblés sur la plaine d'Hyrule. Ils avaient à leur tête les 4 créatures divines, tu m'étonnes. Avec leurs pilotes. Armée de la lame purificatrice, et Zelda, chez qui le pouvoir du sceau s'était éveillé. Pour sceller le fléau Ganon et ramener la paix dans le monde, les peuples d'Hyrule allaient se mettre en marche avec Zelda vers le château d'Hyrule. Bien. Il y avait, soi-disant, un easter egg. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça, merde. Ah oui, regardez, quand vous appuyez, c'est ça qu'on m'a dit dans les... il y a au moins peut-être une quarantaine d'épisodes, vu que moi, à l'heure où je vous parle, il y a l'épisode 150 et quelques qui est sorti. Et donc, du coup, en fait, on peut, en fait, vous avez vu, il y a un easter egg, on peut contrôler le petit gardien. Donc, en fait, on peut le faire déplacer en allant de gauche à droite, tout simplement. Alors, je crois qu'il y a manière de le faire sauter. Attendez, je n'ai pas envie d'appuyer sur le bouton A pour le moment. Voilà, on peut le faire sauter, regardez. On peut jouer un peu avec lui, on peut voir qu'il y a vraiment tout le monde. C'est abusé, regardez.
Bon bah écoutez, c'est parti, on va pouvoir commencer la bataille. Et donc on sait qu'il y a du coup 6 noix Korogu, donc on va faire comme d'habitude, les chercher. Alors j'espère qu'il n'y a pas de temps, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a juste pas de temps, comme ça au moins on peut explorer tranquillement la première fois au moins pour découvrir. Et il n'y a pas de temps, prenez le contrôle des avant-postes. Donc c'est parfait, ça veut dire qu'on peut, on va vraiment pouvoir tenter de découvrir, on va dire, toutes les zones. Donc on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord faire le côté droite et après on fera le côté gauche. Il faudra rentrer dans l'effort. 4 prodiges attaque. Ok. Toujours à la recherche évidemment des 6 noix Korogu du coup, hein. Notre objectif, sauver l'énergie vitale de Link et ses alliés. Ok, donc comme par hasard. Comme par hasard. Ah, il y en a une là. Donc on en a une là déjà, donc il nous en manquera plus que 5. Est-ce qu'il y aura un indicateur dans le futur comme les coffres? Je n'en sais rien. C'est ça qui me... Parce que dites-vous que c'est un indicateur, mais je me suis... Vraiment, c'est le suicide. Hein. Parce que honnêtement, on aurait pu le faire avec l'indicateur. Et pas ce... Et pas aller voir le site internet pour... Ça spoil lamentablement. Oh, mais on peut pas y entrer. Ah bah attendez. Voilà. En fait, c'est chacun leur zone, en fait, j'ai l'impression. Ok, boum. Boum. Voilà. Ok, on est en train de le défoncer. Oh putain, oh lolo, c'est pas gentil ça. J'ai juré, c'est pas gentil. Ok. Ok, ok, ok. Attention. Ok, oh, mais j'ai esquivé pourtant. Abruti. Si vous voulez. Ok, le coup point faible. Avant poste de prix. En fait, on est... Attendez, en fait, comment on fait pour aller de l'autre côté, là? En fait, on est condamné avec Link, ici. Ah, en fait, les portes sont fermées. Ah, ok. Ah, ça se joue comme ça, ok, ici, ok. Bon, là, il y a un petit coffre qu'on a pu apercevoir sur la mini-carte. Faut, en plus, buter toutes les caisses et tout, c'est ultra... Ultra chiant, quoi. Ah, ah, deuxième noix Korogu, regardez. Oh, d'accord. C'est ce qu'il faut faire. Ok, j'ai envie de me tuer. J'ai envie de me tuer. Aïe, 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 attention. Est-ce qu'on va y arriver? Parfait. Allez, go. Et voilà. Normalement, du coup, deuxième noix Korogu sur les 6. Allez, maintenant, il faudra se rendre un petit peu vers là-haut. Donc, on en a 2 déjà. C'est déjà une très bonne nouvelle. Alors là, du coup, les portes se sont ouvertes. Boum, 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 boum. Ok. Ok, boum. Allez, go. Ok, là, il y a énormément d'ennemis. On va le laisser gérer. Run boss Foramus, attention. Et après avec Link, on va tenter de gérer au milieu aussi. Barota a pris le contrôle de l'avant-poste. Parfait. Ok. Alors du coup, vite à la recherche de possibles noix Korogu et de coffres. Donc là, il y a forcément un truc, non? Alors, j'ai peur qu'il y ait un rocher à péter, vu comme le lieu est assez sombre, j'ai peur de le louper. Honnêtement, le noix Korogu. Pas la noix Korogu. Bon, attention. Impa, en fait, au lieu de rester là, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais juste un petit peu, tu vois, revenir en arrière? Parce qu'en fait, t'as été con, t'as été là, alors que j'ai pas voulu. C'est juste que je voulais que tu affrontes les différents ennemis. Ok. Toujours à la recherche de possibles noix Korogu, donc. Ok, ils ont pris les postes. Ok, donc on en a toujours 2 de noix Korogu. Alors là,
dans une ville comme ça, genre s'il n'y en a pas un. Sachant qu'il y en avait un avec Link, un avec... une avec Impa, donc j'imagine qu'il y en a bien une avec chaque perso en fait. Sur tout ce côté là. Faut juste bien regarder, c'est tout, regardez. Il n'y en a pas une avec toutes les caisses qu'il y a là, là. Même pas. Ah, par contre, allez chercher un... Putain, allez chercher un... Comment ça s'appelle? Une noix Kurogu ici. Vous. Là, ils disent qu'il y a un coffre, je vois même pas pour vous dire alors. Hein. Putain, heureusement qu'on a le détecteur. Bon, il est là. Il est là, l'épée royale. Ok, toujours la recherche de possibles... Le noix Kurogu. Que je trouve pas, hein, donc... Boum. Pas du tout. Allez, du coup, là, il y a personne, il y a plus rien, il y a plus rien. Allez, vite, on va aller de ce côté-là, du coup. Il y en a vraiment pas, quoi. C'est une honte. Ok. Là, par hasard... Donc là, c'est le fort où on était tout à l'heure. On est allé là-bas, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait que le coffre à la con. Mais pas de noix Kurogu, malheureusement. Donc, je sais pas où pourrait être une, cette possible noix Kurogu, honnêtement. Ok. Avec les petits certificats en même temps. En plus il faut buter chaque caisse parce qu'il peut y en avoir un derrière donc. Ah peut-être ils sont tous. Il y en a au centre, hein, j'imagine que oui, il y en a au centre. Mais j'imagine qu'il y en a bien un avec lui quand même ici. Vers ce côté là. Qu'on ne voit pas forcément. Ok. C'est moi là. Ok, allez go, on va aller là. Ici, il y a un coffre. Et pas de noix Kurogu pour le moment. Moi, c'est un petit peu à désespérer. Ok, boum, boum, boum. Alors du coup, là, par hasard, au centre, là. Il y a rien genre ici là au milieu de tout là. Ok, boum. Un vieil homme. Attends, on est en train de faire un carnage. Il y a rien, c'est incroyable comme il y a rien. Le truc c'est que j'ai peur d'en louper un ici, c'est ça qui... Tu me fais chier en fait. C'est ça qui me fait chier, j'ai vraiment peur d'en louper un ici quoi. Par contre on fait vraiment pas trop mal hein. J'aurais dû peut-être augmenter un petit peu les niveaux des armes et tout parce que là. Ok. Y a rien, ça me trigger honnêtement. Let's go. Ok. Il ne manque plus beaucoup d'ennemis. Allez go. Boum. Voilà, bon, ça c'est fait. Bon, pas de noix Kurogu, hein. Actuellement. Ah, si, y en a une là. Yes. Ça nous fait notre troisième. Non, troisième sur les six. Bon, il nous en manque plus que la moitié. Plus que trois. Et ça sera bon. Donc là, il y a le sorcier de glace. Attention. Okay.
Oula, attention. S'il te plaît. Meurs. Ok, donc là, besoin de bombe. Ça, c'est fait. Le coup point faible. Nickel, allez, go. Bon, déjà, on en a trouvé 3, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y en a forcément au centre, donc... on va quand même tenter d'éliminer tous les ennemis avant de... Tous les ennemis que nous pouvons actuellement, on va les tenter de les éliminer avant de prendre le fort, tout simplement. Le jeu, il n'y a pas de temps limité, donc avant que le fort soit pris au milieu, c'est ce qu'on va faire, comme ça au moins on est tranquille, quoi. Comme ça, on aura juste à éliminer le reste, tout simplement. Ok. Boum. C'est bon là? Parfait, allez go. Maintenant, Link, s'il te plaît. Déjà, Zelda, s'il te plaît. Va à ton coin, Zelda. On va peut-être pas t'utiliser maintenant. Attendez, si, peut-être. Attendez, non, ça j'ai déjà pris. Donc il n'y en avait pas. Donc il y en a, ça fait 3 déjà qu'on en a. On va peut-être assister Impa. Donc ouais, si, on va aller tout simplement assister Impa. Ça sera peut-être beaucoup plus simple. Déjà, là, il y a des ennemis, donc ça serait bien de s'en occuper. Non, non, pas éliminer ce fort-là, s'il vous plaît, non. Alors, du coup, sachant qu'on est à 3 noix Korogu. En tout cas, on aura bien géré, honnêtement. Pour le moment, on aura bien géré. Alors là, ils ont assez apocalyptique, surtout assez fermé. Propice peut-être à une noix Korogu par-ci, par-là. Sachant que c'est une très grande zone, donc... il faut faire très attention, regardez, c'est vraiment une très très grande zone. Donc il peut y avoir un rocher à péter ou un truc étrange. Oh. Ok. En avant tout le monde. Alors, c'est parti. Ok, donc là, pas de noix Korogu. Il y a un monde par contre. Après ils pourront éliminer les derniers ennemis, non? Ok, bon ben on va tenter d'aider l'officier Gerudo. Enfin le capitaine Gerudo, pardon. Ok. Il nous manque toujours 3 noix Korogu qu'on... Ouais, j'essaie de regarder même au loin mais... Mais c'est pas évident. 400 ennemis. Ok, donc là, il y a énormément d'ennemis. Enfin, ça nous fera des certificats en même temps, mais... Ok, boum, 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 boum. À mon avis, il va pas tarder à se réveiller, ce gardien. Je veux pas dire, mais à mon avis, les gardiens qui sont ici, ça pue du cul, cette histoire. Honnêtement. Ok. Allez, go! Boum! Laser tempo! Heureusement qu'il n'y a pas de temps limité dans cette Hyrule Warriors, comme ça on peut vraiment prendre son temps, exploser tout le monde, tenter d'explorer chaque recoin pour trouver des noix Korogu ou des coffres. Donc mine de rien, hein, c'est un mal pour rien. Alors peut-être les 3 derniers sont en haut, hein, et j'imagine qu'il y en aura forcément un en haut. Hein. Mais au moins j'aimerais bien savoir si est-ce qu'il y en a vraiment... Combien, un ou deux quoi, ou plusieurs. 500 ennemis. Il n'y a pas de rocher à péter, sachant que là dans cette forêt dense, vous voyez, donc il peut y en avoir dans la petite forêt à la con là. Il y a plusieurs arbres comme ça, il peut vraiment y en avoir. Hein. Donc c'est pas évident à chercher. Bon bah écoutez. Niveau 73, yes. Bah alors, on me fait pas mal comme ça. On fait énormément d'ennemis. Vas-y, l'ennemi comme sur... Non, rien, ouais. Non. Ok, on va pouvoir vite le calmer, le mobile d'argent.
Sachant qu'on va bientôt s'arrêter, bah je pense qu'on va même s'arrêter maintenant. Les amis, on continuera la prochaine fois. Je veux juste éliminer le moblin d'argent. Comme ça on est tranquille. Et voilà, le moblin d'argent est éliminé. Et voilà. Bon bah écoutez les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors la prochaine fois on tentera de continuer ce scénario. Alors je pense pas qu'on le terminera, peut-être on mettra au moins 3 épisodes. Parce que vu le nombre de choses qu'il y a à faire, à mon avis il faudra au moins 3 épisodes pour arriver à tout faire. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir s'arrêter là aujourd'hui. Il nous manque toujours 3 noix, enfin il nous manque 3 noix Korogu. Donc on va tenter d'explorer le maximum avant de faire le fort central tout simplement. On va vraiment tout faire, hein, je vous le dis. Donc ça veut dire qu'on va éliminer tous les gros points rouges. On va également récupérer le coffre qui est en haut à gauche. Un petit peu, un endroit où il y a un petit peu avant 2 points rouges. Et pareil, à droite on va faire la même chose. Comme ça au moins si on peut vraiment tenter d'en récupérer le maximum et également récupérer les coffres du coup. Donc écoutez, ça ne serait, ça serait pas trop mal. Donc du coup, ben, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 191 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et on se retrouve donc du coup demain, voilà, demain pour l'épisode 192 dans lequel ben, on continuera tout simplement pour attaquer en plus le week-end. Voilà, ce scénario. D'ici là les amis, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.